À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Mali, le chef de l'exécutif régional Sidi Mohamed El Béchir a procédé au dépôt des gerbes de fleurs ce vendredi 22 septembre 2023 au pied du monument Nakabanou Tembeli de Badiangara pour rendre hommage au père de l'indépendance. Après la montée des couleurs, dans la cour du musée régional, le gouverneur Sidi Mohamed El Béchir, en présence de ses plus proches collaborateurs, des autorités politiques et militaires et des légitimités traditionnelles, une bonne fête de l'indépendance à toute la population de la région de Badiangara. Je voudrais bien me permettre, donc, au nom des plus hautes autorités du pays, de notre nation, d'adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux les plus fraternels à vous toutes et tous, ici présents comme d'ailleurs. À vous toutes, vous tous, j'adresse mes sincères vœux de bonne santé, de paix et de succès, et prie Dieu, le Tout-Puissant, qu'il bénisse notre région et tout le Mali. Permettez-moi, avant tout propos, de rappeler que depuis l'accession du Mali à l'indépendance, la célébration du 22 septembre a toujours été marquée par des festivités sur toute l'étendue du territoire national. Ces festivités prennent forme des manifestations socio-culturelles des différents terroirs du Mali et des défilés militaires et civils permettant ainsi de réaffirmer la souveraineté du Mali en perpétuant les efforts des pères fondateurs de l'indépendance de notre nation, de réaffirmer notre fibre patriotique, de renforcer le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Aussi, la célébration du 22 septembre offre l'occasion, d'une part, aux autorités de magnifier la souveraineté et la communion avec les citoyens, et d'autre part, aux citoyens de manifester leur patriotisme et leur attachement au pays.